We're going at the gym. On va au fitness. Dans une salle de sport. Hey yo, welcome to my channel. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Liv Mulumba. And today we're doing some sport. Aujourd'hui, on fait du sport. Come with me, venez avec moi. It's great to get to train in the morning. A positive start of the day. C'est pratique de pouvoir s'entraîner le matin et bien débuter sa journée. My daughter offered me to go with her at the gym. I couldn't miss that opportunity. Ma fille m'a suggéré de l'accompagner au sport et je ne pouvais pas refuser cette belle opportunité. And here we are at the Energy Fitness in Trojada. Nous voici arrivés dans cette belle salle de sport. They have everything, showers, lockers, in their changing rooms. Oui, ils sont bien équipés, douche, casier dans les vestiaires. This is all exciting. Oui, ceci est vraiment très excitant. Let's go! On y va! This is fun. C'est très agréable. Have to get familiar with the machines. Il faut se familiariser aux machines. Great fun. C'est super. These exercises are great for the heart, working on the cardio, your heartbeat. Therefore, to keep a good stamina, it's about breathing, making sure you inhale and exhale properly. And most important, go at your own pace. Ces exercices sont bons pour le cœur, cardiovasculaire. Et il est important de bien respirer, d'inspirer, expirer et surtout aller à son propre rythme pour tenir le plus longtemps possible. It's great to have somebody to exercise with, but if you're alone, with the help of some energetic music, you can have the good boost and punch to go. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner, mais lorsqu'on est seul, rien de tel qu'une musique énergétique pour nous donner un bon coup de boost et aller jusqu'au bout. Now I'm starting to feel my legs. Je sens les jambes qui tirent. But this feels so great inside. Ça fait du bien à l'intérieur. So nice to help empty your mind. Tellement pratique pour aider à se vider la tête. It's good to have some breaks and hydrate in between the exercises. C'est bon de faire quelques pauses et de s'hydrater entre les exercices. You can track your efforts through the machine. On peut observer ses efforts sur la machine. And now I'm starting to sweat already. Je transpire déjà.
once again, it's not about how fast you go. It's about how well you work your body out. And the goal is to do the most and to hold the longest. It's best to go at your own rhythm, from being a beginner or an experienced trainer. We all are in the same boat, taking care of ourselves. Il ne s'agit pas d'aller le plus vite possible, mais plutôt de bien travailler son corps. De ce fait, il faut bien se connaître, aller à son propre rythme, qu'on soit débutant ou expérimenté. On veut tenir sur la longueur. Le résultat est le même pour tous lorsqu'on prend soin de soi. Le bien-être, well-being. For somebody like me who loves walking, this is great fun. Oui, pour quelqu'un qui aime la marche comme moi, ceci est vraiment très agréable. It's a little bit painful with time, but it's worth it. C'est un peu douloureux avec le temps, mais ça en vaut la peine. You feel good about yourself after. On se sent bien après. And the more you practice, the better you get. And the more you're used to it. Oui, plus on pratique, mieux l'on s'y prend et on s'y habitue. What I like with these machines is that they work the whole body, a global impact. Keep the energy, go, go, go. Yes, on pédale. Ce que j'aime avec ces machines, c'est que ça travaille tout le corps, impact global. I love the bike as well. Very handy. Still painful though, but good. J'aime beaucoup le vélo, très pratique. Douloureux, mais toujours aussi agréable. I'm glad I came. Je suis contente d'être venue. With a good sweat, all the toxins eliminated, ready to spend a good day. Oui, on a éliminé toutes les toxines, bien transpirées, prêtes à passer une bonne journée. Thanks a lot for watching. Merci beaucoup pour votre audience. God bless you. Could you be nice? Bye. Bye. T'es sûr, tu veux pas vite acheter un petit truc au Tesco ou au Bill? Non? Vie et inspire. Live and inspire with Liv Mulumba.